Ce festival est enfant d'une triple énergie. L'énergie politique qui dit on va faire le choix de la culture. C'était Georges Frêche qui a accompagné. Mais pour qu'il accompagne, il fallait qu'il y ait une énergie artistique, culturelle, une envie, un désir. Et c'était Dominique Bagouet, Jean-Paul Montanari. On savait en arrivant avec Dominique, par rapport à ce qu'on sentait du destin de la jeune danse française. On sentait qu'il y avait un champ devant nous, qu'il y avait une génération devant nous, qu'il y avait une possibilité énorme devant nous. Que nous a offert Georges Frêche, qui, soupesant notre détermination à lui comme à moi, a senti qu'on pouvait ouvrir un champ qui n'existait pas dans les autres villes, qui était le champ de cette danse. Il n'y a pas beaucoup de festivals que de danse en France. Des festivals qui ont vraiment cette historique, cette relation avec des grands chorégraphes internationaux, qui ont cette implantation assez importante dans une ville, avec vraiment soutenu politiquement. Oui, c'était assez unique. Totalement unique même. Montpellier, c'est une ville de danse. Et en tant que danseur ou chorégraphe, être à Montpellier, c'est être au cœur de la danse. Depuis 20 ans, je suis à Montpellier, je suis présent et le public aussi me donne une reconnaissance. Je crois que j'ai été aussi adopté par cette ville. Les festivals, c'est un moment intense, charnel, où on a envie de découvrir les chorégraphes qui viennent d'ailleurs. Montpellier est une ville de danse du fait que ça fait 40 ans qu'il y a un festival et je pense que ça a créé autour de ça un public, mais pas seulement. Il y a les chorégraphes qui étaient attirés, les danseurs qui étaient attirés par ce qui s'est passé à Montpellier. C'est une des rares villes où on se fait arrêter avec les danseurs dans la rue par des gens comme ça qui veulent discuter de la pièce ou ce qu'ils ont vu ou du spectacle. Et il y a des spectateurs que je connais de nom et qui étaient là et qui ont vu toutes les pièces, qui viennent, chaque festival, qu'ils achètent leurs billets bien avant, ils savent ce qu'ils veulent voir. Ça offre au public pas seulement une pièce, mais tout un parcours d'un artiste. Montpellier Danse, c'est toute ma vie, donc imaginez 40 ans, c'est gigantesque, c'est énorme. Je suis arrivé ici au début des années 80, je suis toujours là, je suis un des survivants d'ailleurs de toutes ces épopées. Il n'y en a plus beaucoup des gens qui ont connu ce début de l'histoire avec Bagouet et avec Frêche. Voilà, et je suis encore là, donc oui, c'est une très grande histoire d'amour entre la danse, la ville et moi, c'est sûr.